drunk or something? No, no. Listen, I'm saying to you, when he took an oath in the Torah, was he in his conscious of what he is doing, or he was a drunk, or being crazy, or being hypocrite to the Jews? La question que je pose, lorsque Muhammad était en train de jurer sur la Torah, était-il conscient, ou bien il était ivre, ou bien il était hypocrite envers les Juifs? I say he was hypocrite. I don't really know. I say he was hypocrite. Moi, je dirais qu'il était hypocrite. Il était hypocrite. He's trying to convert the Jews to accept him as a prophet, so he said to them, "I believe in your Torah," and he took an oath of it. C'est puisqu'il voulait convaincre les Juifs qu'il était prophète, alors il les a trompés. Il a dit que je crois dans votre Coran, et puis il a juré sur le Coran. And he put the Torah in the cushion, and he swore on it, showing respect to the Torah. Et il a mis même le Coran sur donc le coussin. Il a juré sur le. Il dit que je crois dans la Torah. He did not insult the Torah. Il n'a pas insulté la Torah, mais il a juré sur la Torah des Juifs. Imagine he took the cushion from underneath of him, and he placed the Torah in the top of it, and he. Imaginez-vous, il a pris la Torah et il a mis ça sur le coussin là où il était assis. He said, "I believe in thee and the one who revealed thee." Et ici, il dit que je crois en toi et en celui qui t'a révélé. Now we see in this hadith that there's a Jewish guy. His name is Lubayd ibn Asam. Maintenant, nous voyons dans cet hadith qu'il y avait un juif qu'on appelait Lubayd ibn Asam. He got some hair of the hair of the prophet. Il a attrapé, il a eu juste quelques poils du corps du prophète. And he controlled him. According to some hadith, it was the daughter of Lubayd is the one who did the black magic for your prophet. Et il a commencé à contrôler Muhammad. D'après certains hadiths, ils disent que c'était la fille de Lubayd ibn Asam, sa fille, qui avait fait la potion là, magique pour contrôler Muhammad. Now, you said he was under the influence of the black magic. What? Maintenant, toi, tu as dit qu'il était sous l'influence de la magie noire. Qu'est-ce que la magie noire? It's the black magic. Can you give me a definition? Tu peux me définir ça? I didn't say he was under black magic. You did. Go back and it's recorded. Non, je n'ai pas dit black magic, la magie noire. Non, tu as dit ça, on a enregistré ça. You said that. Tu as dit ça? No, I didn't. Okay, now. Non, je n'ai pas dit ça. So he was under what then? Tell us. Alors, tu le dis, il était sous l'influence de quoi? Huh? He was under what? Here it says. Il était sous l'influence de quoi, puisqu'il est écrit ici? He imagined himself having sex, but in fact he did not. Why? Que Muhammad s'imaginait qu'il avait des rapports sexuels, mais il n'avait pas de relations sexuelles. What is the reason, based on this story in front of us, the hadith? Does it say magic or no? Quelle est l'histoire, la raison pour laquelle on a écrit ça? On a dit magie, c'était la magie ou quoi dans cet hadith? My main concern isn't this. My friend, does it say magic? C'est que je veux. Non, dis-moi, c'est écrit magie ou quoi? Or no? Is it saying magic? Or yes or no? Est-ce qu'il est écrit de la magie, oui ou non? Yes. Okay. Can I so what magic mean? Oui. Mais qu'est-ce que veut dire la magie? What magic mean? Le sens de la magie, c'est quoi? Who knows? Qui connaît? Qui connaît la signification de la magie? What do you mean, who knows? Qu'est-ce que tu veux dire, qui connaît ça? Who knows? So how you can call it magic if you do not know what it is? Alors, comment est-ce que vous allez appeler ça magie si vous ne connaissez pas que la signification de la magie, comme c'est écrit dans les hadiths? Ok, what do you think it means? Maintenant, toi, qu'est-ce que tu penses? La magie signifie quoi? I mean, it's stupid. There's no magic. D'après moi, c'est la stupidité. Il n'y a pas de magie. There's no magic. My main concern you see, is where... C'est que je cherche, si vous connaissez. Jesus said he was God. Où est-ce que Jésus a dit que je suis Dieu? But don't change the topic. Ne change pas le thème. I'm asking you, what magic? What magic? Non, ça c'est ce que je veux connaître. What magic? La magie, c'est quoi? C'est ce qu'on te pose d'abord. What mean? He was controlled by magic. Muhammad était contrôlé par la magie. What magic mean? Quelle est la signification de magie? Okay, let me show you from the Quran. Do you know what the Quran says about magic? Ok, je t'ai montré ça dans le Coran. Tu sais ce que le Coran parle, ce que le Coran dit de la magie? Yes, it's bad. Okay. Oui, c'est mauvais. Okay, what bad? What does that mean?
Non, non, pas mauvais, quoi. Je te demande ce que le Coran dit de la magie. It means it's bad. Okay. Oui, ça veut dire c'est mauvais. But what, that bad? No, it doesn't say that's bad. Non, non, le Coran n'a pas dit que c'est mauvais. It says that the one who is practicing magic is the... Il dit que celui qui pratique la magie, c'est le Satan. Practicing magic is the shayatin. Celui qui pratique la magie, c'est le Satan. Do you agree with that? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Chapter 2, verse number 102. Chapitre 2, verset 102. Show me any of them. Montre-moi ça. Okay, let us show you on the screen. Okay, on va te montrer ça dans l'écran. Read you me. Show me what Jesus said he is Don't God. Change the topic. Montre-moi là où Jésus a dit que je suis Dieu. Okay, you know, you promised me 10 questions. Ne change pas le thème. Je vais te montrer ça. You promised me 10 questions. Non, tu ne peux, tu ne veux, puisque tu es incapable de me montrer que Jésus est Dieu. You promised me 10 questions. I promise. J'ai promis ça, je vais te montrer ça. I will answer you about when we finish this one. This is the first thing we will talk about. I promise. Ok, on termine d'abord avec ça. Et je vais te répondre. Ça sera la première chose que je vais te montrer. Je te promets ça. Topic. You know, you promised me 10 questions. You promised me 10 questions. You promised me 10 questions. I promise you, I will answer you about when we finish this one. This is the first thing we will talk about. I promise. Puisque tu as dit, on s'est dit que tu vas me poser 10 questions. Alors, je te répondrai à ça dès qu'on termine ça. Jesus said, I am God. Jesus said, I am God. Jésus a dit, je suis Dieu. God, I will show you. Je te montrerai ça. Okay, now, here we go. It says that Allah, he sent two angels. Ici, nous voyons Allah. C'est écrit, Allah a envoyé deux anges. Harut and Marut. Harut et Marut. And they taught magic to the bad ones. Et ils sont partis enseigner la magie aux bédouins. And it's used by the shayateen, the shaitan. Et c'est utilisé par les shayateen, le Satan. So what do you say about this? Maintenant, tu dis ça. Qu'est-ce que tu dis à propos de ça? I'm not interested in this, you know. Non, je ne suis pas intéressé dans ça. Well, I am interested. You are. Moi, je suis intéressé. The one who opened the topic, and now we have to finish it. It's your problem. You are the. C'est toi qui as ouvert le thème, maintenant on doit terminer ça pour qu'on puisse clôturer ça. C'est toi qui as ouvert ça. The one who opened it, not me. C'est toi qui as ouvert ça, c'est pas moi. Okay, can I close it? Est-ce que je peux fermer ça? Okay, to close it, you have to answer me. Pour fermer ça, tu dois d'abord me répondre. How your prophet is controlled by the shaitan? Because comment est-ce que votre prophète est contrôlé par le Satan? The shaitan is the one practicing magic. Puisque c'est Satan qui fait de la magie. What kind of a prophet is controlled by the shaitan? What Allah, quel genre de prophète est contrôlé par magie, par Satan? Allah was doing when the prophet was controlled by shaitan. Qu'est-ce que Allah faisait lorsque le prophète était contrôlé par Satan? He was watching TV. Est-ce que Allah regardait la télévision? He was watching Dr. Phil. Ou bien Allah regardait le documentaire de Dr. Phil? Sky News. Ou bien regarder les informations de Sky News. You know what he was doing? How you know the Quran says that Allah is going to protect you? Oui, mais qu'est-ce que Allah faisait puisque le Coran dit que il va te le protéger from the genie and mankind. Il va le protéger de la main des djinns et de la main des êtres humains. Les hommes ne vont pas l'attaquer ni les djinns. Okay. So how Allah he promised him to be protected? Mais comment est-ce qu'Allah a promis qu'il allait le protéger? But he did not protect him. Mais il ne l'a pas protégé. Do you know? Tu sais la raison? No, I can't give you yes or no because I don't. Non, je ne peux pas te donner une réponse oui ou non puisque je ne connais pas ça. Ah, you don't know. Okay, now I made a promise for you. Okay, now we want to talk about where Jesus said I am God. Is that correct? Okay, maintenant je t'ai fait la promesse que je te donnais la réponse de là où Jésus a dit que je suis Dieu ou non. Là où Jésus a dit que je suis Dieu.
Mais avant de partir là, je vais vous montrer ce que Christian Prince, l'écriture là qu'il était en train de montrer. Ça, c'est notre numéro dans Sourate Al-Baqarah au chapitre 102. Sourate 2, verset 102, là où il parlait de Harout et Marout. Il dit, Sourate 2, verset 102. Ils suivirent ce que le diable a enseigné pendant le règne de Salomon. Ce n'est pas Salomon qui a mécru, mais ce sont les démons qui ont mécru. Ils ont enseigné au peuple la sorcellerie et ce qui a été révélé à Babylone et aux deux anges, Harout et Marout. Ce sont les anges que Allah avait envoyés, Harout et Marout. Ils n'ont enseigné personne jusqu'à ce qu'ils disent, nous sommes un test, alors ne perdez pas la foi. Mais ils apprirent d'eux le moyen de provoquer la séparation entre un homme et sa femme. Donc, ces deux anges sont venus enseigner des troubles sur la terre par l'ordre d'Allah, la magie, tout ça. C'est de ça que Christian Prince était en train de parler. Nous retournons très vite pour continuer avec ce que Christian Prince est en train de nous enseigner. Ok, on y va. In the Bible, yes, or in the Ok. Quran. Or if you're going to use the Quran, try it. Oui, tu peux me prouver ça dans la Bible ou dans le Coran. Même dans le Coran, tu peux me prouver que Jésus est Dieu. Okay, That's you, what I said. I made a This promise for you. Okay, now we want to talk about where Jesus said, I am God. Is that correct? Je t'ai fait la promesse, maintenant on va parler de là où Jésus a dit que je suis Dieu. Je t'ai fait la promesse, on va voir ça, oui ou non. OK? In the Bible, yes. OK. Oui, dans la Bible, tu peux me montrer ça. I am God. Is that correct? In the Bible, yes. Or in the OK. Quran. Or if OK. you're going to use the Quran, try it. Oui, tu peux me montrer dans la Bible ou dans le Coran. Même dans le Coran, tu peux essayer de montrer que Jésus est Dieu. Okay, we want the Quran. I love to use the Quran. Okay, let me show you the Quran. Ok, ah, c'est bon, j'aime d'utiliser le Coran. Je te montrerai dans le Coran un verset. Saying that Jesus is God. You are the Je te montrerai un verset dans le Coran là où Jésus dit que Jésus est Dieu. Le verset, c'est ce que ça dit, Jésus est Dieu. one who asked for it, so we have to go with it. Maintenant, c'est toi qui as demandé, maintenant, on doit te donner. The Quran, the Quran. We will go to chapter. That's as I can name. Greet him, brother Fetter. Il va imiter la voix de Zakir Naik dans le Coran. Some Christians, they said that Jesus is God. Frères et sœurs, il y a des chrétiens qui disent que Jésus-Christ est Dieu. And all of us, we know that this is not true. Et nous tous, nous savons que ce n'est pas vrai. If we go in the Quran, Si nous partons dans le Coran, we will find that the Quran said clearly et nous allons trouver que le Coran dit clairement, that Prophet Jesus, le prophète Jésus, is not God. What is the proof Jésus n'est pas Dieu, mais quelle est la preuve? that he is not God? Read with me. Que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Alors, on va lire, on va lire. On va répéter ce qu'il disait sur Zakir Naïk. On, we will find some Christians. The Quran, Il va imiter la voix de Zakir Naïk. Là où Zakir Naïk dit qu'il y a des chrétiens qui disent Jésus-Christ est Dieu dans le Coran. Et ce n'est pas écrit que Jésus est Dieu même dans la Bible, tout ça. Zakir Naïk, il va imiter la voix de Zakir Naïk. we will go to chapter. That's as I can name. Christian, brother Fetter. Some Christians, they said that Jesus is God. And all of us, we know that this is not true. If we go in the Quran, we will find that the Quran said clearly that Prophet Jesus, Isa, is not God. What is the proof that he is not God? Read with me. Nous allons lire. All right. Christian, Hold on, please, hold on, can hold on, you hold on, no, no, Tu sais, tu sais. Non, 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 attends, je vais te lire le verset. no, I'm just I want asking to you. I'm show not you. changing the Oh, system. yeah, we want I'm to show just you. keeping the question. It's Je veux que tu changes, je vais te montrer ça. nothing serious. Non, ce n'est rien de sérieux. Je veux juste dire quelque chose. Yeah, no, no, I'm but. just asking you where to Ok, find ok, it. ok. Let's read. Je veux juste poser la question. Non, non, lis d'abord, lis d'abord. It says here with me. What?
C'est écrit ici. C'est écrit ici. Okay, okay. Let's read, read. It says here with me. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. Do you know what does that mean? Tu sais ce que ça veut dire? I don't understand Arabic. Non, non, je ne comprends pas l'arabe. So you pray to Allah in Arabic, but you do not know Arabic. Mais tu pries à Allah en arabe, mais tu ne connais pas l'arabe. I pray to him in English. Je prie à Allah en anglais. Huh? You pray Quran in English. Tu pries le Coran en français? Yes. Are you allowed to do that? Oui. Est-ce que tu es permis de prier en anglais? You said you are a Sunni, right? Tu as dit que tu étais Sunni. Tu étais sunnite. The Sunni yes. pray to Allah in English? Since when? Depuis quand les sunnites prient à Dieu, à Allah, en anglais? Okay, you must be a moderate Sunni. You wear jeans, don't you? Okay. Ou bien tu es un sunnite modéré, ou quoi? Okay. Read with me here, it says, that they took their rabbis and their monks as gods instead of Allah and the Messiah. Le verset ici, en arabe, dit ceci. Ils ont pris leurs moines et leurs rabbins comme Dieu au lieu de Allah et le Messie. This is the Quran saying. C'est ce que dit le Coran ici, le verset en arabe. That those, the false ones, they took their monks and their rabbis as que les faux, ils ont pris leurs moines et leurs rabbins comme Dieu. They took their monks and their rabbis as gods. Ils ont pris leurs moines et leurs rabbins comme Dieu. Instead of who? Of the Messiah and Allah. So Allah saying that the Messiah and Allah is the one to worship. Au lieu de prendre Allah est le Messie. Donc, Allah dit très bien que c'est lui, Allah, et le Messie qu'ils doivent adorer. And this is the Quran. Et ça, c'est le Coran. Chapter 9, verse number... in the Bible where it says Jesus is You are the one who asked. Ça, c'est le Coran, chapitre 9, au verset 31. Montre-moi dans la Bible où Jésus a dit que je suis Dieu. Montre-moi dans la Bible où Jésus a dit que je suis Dieu. You are the one who asked me to show you first from the Quran. Mais c'est toi qui m'as d'abord demandé de te montrer ça dans le Coran. Why you change now? Pourquoi est-ce que tu changes? In the Bible. My friend, no. Montre-moi dans la Bible, mon ami. Oh, you said in the you said everybody heard you saying that show me in the Bible. Mais tout le monde t'a entendu dire que montre-moi dans le Coran aussi. Okay, listen, you know, listen. Écoute. What's the problem going to the Bible? We can go to the Bible. Où est le problème de partir dans la Bible? On ira dans la Bible. On peut partir dans la Bible. Bible, but we have to finish. You are the one who asked me. People, they remember a second. Mais on doit d'abord terminer. Les gens se souviennent de ça. Qu'est-ce que tu as dit? On doit te montrer dans la Bible, dans le Coran. You told me, show me from the Quran. We have to finish it. On doit d'abord terminer. Why the Quran is saying they worship their monks and rabbis? Comment est-ce que le Coran dit qu'ils adorent leurs moines et leurs rabbins? Instead of Jesus. Au lieu d'adorer Jésus. Why the Quran says that? Pourquoi est-ce que le Coran dit ça? Let's go in the Bible and see where it says it. Allons dans la Bible, on va voir. You know, I'm doing your request. Je ne fais que répondre à, selon ta requête. I'm doing your request. Je réponds à ta requête. Don't jump. Faut pas sauter. So why it says you should worship Jesus and Allah? Pourquoi est-ce qu'il est écrit qu'ils doivent adorer Allah et Jésus? What do you think? Maintenant, qu'est-ce que tu penses? Juste une petite mise au point. On va vous montrer ce verset-là en français. Hein, puisque la plupart des musulmans, ils ont triché avec ce verset-là. Ils ont mal interprété ce verset-là pour tromper les gens. La sourate que Christian Prince était en train de montrer, la sourate est là. C'est la sourate ici, la sourate 9 au verset 31.
Là, oui, ils ont mal interprété ça. La traduction, elle allait être un peu comme ça. Ça allait être un peu comme ça. Ça allait être, se ressembler un peu à ça. Sourate 9, 31, ils ont pris leurs prêtres et leurs moines pour être des mécènes des seigneurs en plus de Dieu et le Messie, fils de Marie. Donc, y a Dieu, ils ont adoré d'autres en plus de Dieu et le Messie. Maintenant, dans leur Coran, ils ont interprété qu'ils ont pris leur rabbin et leur moine, ainsi que le Christ, fils de Marie, comme Seigneur en dehors de Dieu. Ça, c'est une erreur, puisque le mot Dieu est venu après Christ ici. Mais tandis que ici, le mot Dieu, il y a le mot Dieu qui est avant le Messie. Voyez-vous? Là, il y a Dieu. D'autres ont défié le Messie. Le Messie vient après Dieu. Tandis que là, le Messie, Christ, vient avant Dieu. Donc là, c'est juste, ils ont trompé. Ils voulaient tromper les gens. Ils voulaient juste tromper les gens. Ils ont pris leur angeleur intimidateur comme Seigneur d'autre que Allah et le Messie. Donc, ils ont pris des gens comme des seigneurs, comme des dieux, en dehors d'Allah et le Messie. C'est ce que Christian Prince est en train de montrer, puisqu'ils ont triché avec le verset, puisqu'ils aiment tromper. Voyez-vous, même ici, on va essayer quelque chose ici. Il y a quelque chose, on va vous montrer ici. OK. Puisqu'ils aiment tricher avec le verset. Voyez-vous un peu ça? Vous allez voir que ce sont des tricheurs, ces gens. Au verset 31, c'est la sourate 9 au verset 31. Vous allez voir ce qu'ils ont écrit. Au verset 31, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ici dit, ils ont pris leur rabbin et leur prêtre, hein, comme Seigneur à la place d'Allah, ainsi que le Messie, fils de Marie. Voyez-vous la corruption? Ils ont pris leur rabbin et leur prêtre comme Seigneur, à la place de prendre comme Seigneur Allah ainsi que le Messie. Mais l'autre, il a dit, ils ont pris, donc, il a dit, l'autre a dit, ils ont pris leur rabbin et leur moine, ainsi que le Christ, fils de Marie, comme Seigneur en dehors de Dieu. Mais l'autre dit, à la place d'Allah, ainsi que le Messie, ce monsieur dit, ainsi que le Christ, fils de Marie, comme Seigneur en dehors d'Allah. Voyez-vous? Où est ici? Ainsi que le Messie, fils de Marie. À la place d'Allah, Allah ainsi que le Messie. Mais l'autre dit, ainsi que le Christ, fils de Marie, comme Seigneur en dehors de Dieu. Où est la vraie version du Coran? Puisque tous cherchent à mentir. C'est pour cela que si vous partez ici, il y a plusieurs versions. Il y a plusieurs versions. Ils ont pris leur savant et leur moine comme Seigneur en dehors d'Allah et aussi le Messie. Donc, c'est chacun qui interprète de sa manière. Nous continuons avec Christian Prince. On va continuer avec Christian. Là, c'est notre numéro pour les gens qui veulent nous contacter pour débattre. Nous sommes prêts à n'importe quelle heure pour débattre. On continue. Show me in the Bible where it says Jesus is God. Montre-moi dans la Bible où Jésus a dit qu'il est Dieu. I will show you, no problem. Je vais te montrer, il n'y a pas de problème. You have to finish this one. On doit d'abord terminer avec ce problème. You have to give me an answer, so we can go to the Bible. Donne-moi la réponse, nous irons à la Bible. Pardon. What do you think? What is the reason for this? Qu'est-ce que tu penses? Quelle est la raison pour ça?
Don't you think there is a problem here? Ne penses-tu pas qu'il y avait un problème ici? I feel like it's your screen frozen. Est-ce que l'écran ne bouge pas? Non. Ça bloqué. Hein? Do you have on my because I'm watching you on my YouTube. Tu es sur YouTube. Do you have your screens like in one place like where writing is or not? Est-ce que ton écran ça montre bien ou bien ça déjà bloqué? Because I can't see anything. Puisque je ne vois rien dans ton écran. Why you don't see? Okay, hold on. Let us see. Here we go. Okay, attends. Do you see it now? Est-ce que tu vois ça? Do you see it now? Everybody can see it. Chapter 9, verse number 31. Tout le monde peut voir ça. Chapitre 9, verset 31. And I highlighted for you the verse. J'ai souligné le verset pour toi. So what do you say? Qu'est-ce que tu dis? One second. Une seconde. It's in Arabic, yes? Là, c'est en arabe. Show me, can you show me in English, please? Est-ce que tu peux me montrer ce verset en anglais? Okay, well, the English translation is not really accurate. Okay, je te montre en anglais, mais la traduction en anglais, c'est pas tellement correct comme ils ont traduit. But no problem, here we go. Il y a pas de problème, je vais te montrer ça. The Muslims, they fabricate a translation. Les musulmans ont fabriqué des translations sur ça. Okay. They take their priests and their rabbis or whatever. Ils ont pris le prêtre, le rabbin, to be their lords in derogation of Allah, but it doesn't. Ils ont pris ça comme seigneur en dehors d'Allah. Don't say that. It's. Ils ont écrit dérogation, ça ne dit pas exactement ça. Derogation of Allah, but it doesn't say that. It says. Instead of Allah and the Messiah. Mais c'est écrit en dehors de Allah et le Messie. This is a false translation. Là, c'est une translation fausse. Anyone who's speaking Arabic, he knew. Tout le monde qui parle arabe, il connaît, il sait de quoi je parle. You can copy the text in Arabic, but just post it in Google as it is. Tu peux me copier le texte en arabe tel qu'il est. Et aller poster ça sur Internet, sur Google, on va te donner la translation. If you don't believe me. Si tu ne me crois pas. So what do you say? Ah, okay. Que dis-tu? Why the Quran saying? Que dis-tu? Pourquoi est-ce que le Coran dit? That they took their rabbis and their monks as God instead of Allah and the Messiah. Pourquoi est-ce que le Coran dit qu'ils ont pris leur Seigneur, leur rabbin, leur moine comme Seigneur au lieu de Allah et le Messie. Is that a mistake? No. It says. Est-ce une erreur? Non, il est écrit. I don't know the word. To be the lords in decoration of Allah and they take as their lord. Yeah, this is your translation. Non, ici, on a écrit, ils ont pris leur Seigneur en dehors d'Allah et ainsi que le Messie. Non, là, c'est votre translation. I just said this is a false translation, my friend. It doesn't say that. Je t'ai montré que là, ce sont des fausses translations qu'on vous a données. Commanded to worship but one listen, Allah. Listen. Ils ont été commandés, il leur a été commandé d'adorer seulement un seul Dieu, un seul Allah. It doesn't say that. Ça ne dit pas ça. It doesn't say that. That's what you're showing me. This is what it's saying is here, translation. This is why I showed it to you in Arabic. Ah, c'est pour ça que je t'ai montré ça en arabe. Puisque les translateurs, ils ont beaucoup menti. I thought you speak Arabic. Je croyais que tu parlais arabe. I thought you. Okay, hold on. Do you know a friend who speaks Arabic? Est-ce que tu connais quelqu'un ou bien un de tes amis qui parle arabe? You speak with me. Yeah, je connais quelques amis, mais ils sont pas avec moi. Okay, can you call him right now? Est-ce que tu peux appeler ton ami qui parle arabe maintenant? What's the time? C'est quelle heure maintenant? No, he'll be asleep. Non, à 7 heures, je pense qu'il dort à 7 heures. Don't you have a friend? He is awake because we can call him and he can read for you. I don't wanna... As-tu un ami qui est
éveillé, qui ne dort pas, on peut l'appeler, il va traduire ce verset pour nous. Ring him at like 12 o'clock at night. Ah, okay. Okay, 12 o'clock at night. Ah, okay. For you, I don't want to ring him at like 12 o'clock at night. Ah, okay. Okay, maybe we can do it next time. Is that? Je ne veux pas juste les appeler comme ça, donc il faut organiser ça. Ou bien on peut les appeler même prochainement. You promise me? Est-ce que tu me promets ça? You bring me another guy? Okay. Guys, tu me promets? Okay. Promise me that he is going to read for us. Donc, il me promet qu'il va lire ça pour nous. He is going to bring, he's going to bring a friend who speaks Arabic and he will. Il va amener un de ses amis qui parle arabe. Will translate for us word by word. That's... Et qui viendra traduire ce verset mot à mot pour nous. It's wonderful. Actually, I like that. Ah, ça c'est très bien. J'aime ça. Now you said to me, where Jesus said he is God. Maintenant, tu vas poser la question de savoir là où Jésus a dit que je suis Dieu. Yes. Okay. Oui. Do you know how to read English? Sais-tu comment lire anglais? Of course, man. Oui, mais évidemment. Are you sure? Bien sûr. I thought Christians meant to love their neighbors, no? Ah, moi, je croyais que les chrétiens, ce sont ceux qui aiment leur prochain. Ben, I don't love my neighbor, really. Je n'aime pas vraiment mon prochain, mon voisin. Neighbor is a donkey. Ah. Is a donkey. So you don't keep the commands of Christ, no? Puisque mon voisin, mon prochain, mon voisin, c'est un âne, ironiquement. Donc, tu n'aimes pas l'âne. No, I keep the command of my Christ because my neighbor literally is a donkey. What I can. Donc tu ne gardes pas le commandement du Christ. Non, je garde le commandement du Christ. Mais mon voisin c'est un âne. Mon prochain, mon voisin c'est un âne. My friend. My neighbor is a donkey. I don't have a human being next to me. Ah non, mon frère, mon ami. Mon voisin c'est un âne. Ce n'est pas un homme. Je n'ai pas de voisins qui sont humains tout près de chez moi. My next door is a donkey. What I would do? But, mon voisin le plus proche c'est un âne. By the way, do you know what your prophet said about donkeys? Est-ce que tu sais ce que ton prophète a dit sur les ânes? What would this have to do with love your neighbor? Why you are upset? Did I say to you? Mais là, pourquoi tu changes le thème? Qu'est-ce que ça a à faire avec aime ton prochain tout ça? You, I hate you. Did I say I hate you? Est-ce que j'ai dit que j'étais hé? Did I say I hate you? Why you are talking about love? Do you are you? Est-ce que je t'ai parlé dit que je ne t'aime pas? Tout ça. Pourquoi tu parles ça? Even allowed to love your father in Islam? Est-ce que tu es même permis en Islam d'aimer même ton père? Why you are talking about hate now? Why you jump? You change it up. You want to talk about? Ah, pourquoi tu parles de haine? Comment est-ce que tu changes de sujet? Tu veux parler de? What hate? Tu parles de la haine? Chapter 9, verse number 23, it says, you cannot even love or be friend to your father and your brother from your family. Chapitre 9, verset 23, il dit que tu ne peux pas même être ami, tu ne peux pas aimer ton père ou même ton frère de la même famille. It says that in the Bible as well. Oui, c'est écrit aussi dans la Bible, la même chose. No, it doesn't say that. Yeah. Non, c'est pas écrit comme ça. In the New Testament, Jesus said, you can't follow me unless you hate your mother, brother, sister. No. Jésus-Christ a dit que tu ne peux pas me suivre si tu ne hais ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs. This is not what it meant. Non, c'est pas ce que ça veut dire. This is not what it meant. Non, c'est pas ça. But that is what it meant. No, it means if you love more anyone more than me, it means you don't love me. Ça veut dire, il a dit. Si tu aimes quelqu'un plus que moi, c'est que tu ne m'aimes pas. The most you love is your Lord. This is why the Bible says the one who insults his parents. Celui que tu dois aimer plus, c'est ton Seigneur. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit, et c'est la parole dit, celui qui insulte ses parents should be put to death. Doit être mis à mort. Is that correct? Est-ce correct? No, it says in the Bible you have to follow Jesus. Yes, you have to. Il est écrit dans le but que tu voudrais suivre Jésus. Even hate your mother, brother, sister, because he. Et tu dois haïr ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs. Listen. Okay, let me ask you. Did Jesus say it? Non. Attends, je te posais la question. Si Jésus avait dit ça, que. Did Jesus say it? Did Jesus say? Est-ce que Jésus a dit?
Did Jesus say, "Love your enemy"? Or est-ce que Jésus avait dit, aimez vos ennemis? Or no? Oui ou non? Did he say, love your enemy? Est-ce que Jésus avait dit, aimez vos ennemis? Jesus, did he say to the Christians, love your enemy? Est-ce que Jésus avait dit aux chrétiens, aimez vos ennemis? Oh, did he say, love your enemy? Yes. Okay. Oui, Jésus a dit, aimez vos ennemis. So how he said, love your enemy and hate your mother? Maintenant, comment est-ce qu'il va te dire, aimer ton ennemi, mais haïr, tu dois haïr ta maman? So obviously this is not what it meant. So you are being a childless. Évidemment, c'est pas ce que toi tu veux dire, que ça voulait dire. Tu es juste enfantin. Now listen. Listen. Écoute. Don't talk about love because Quran all of it is about hate. Ne parle pas de l'amour, puisque le Coran, tout le Coran ne parle que de la haine. All right. Now, Jesus in Luke. Oui, Jésus dans le livre de Luc. Chapter 20. Au chapitre 20. He asked the Jews and he said to them. Il a posé la question aux Juifs et il a demandé, posé la question. Can I have a Bible at you? One second, let me go check. Attends, j'ai une Bible à côté de moi ici, je vais vérifier. You have the Bible of Zechariah? Huh? Quel genre de Bible? Tu as la Bible de Zakir Naïk? Which Bible you have? The corrupt one? Quel genre de Bible? La Bible que vous dites que la Bible est corrompue? Ou bien la Bible a été changée? Probably yes. Yeah, which? Oui, probablement, c'est ça. Which corrupt one you have? Hein? Quel genre de Bible corrompue, comme vous l'appelez? Quel genre de Bible tu as? Well, there's no manuscripts, original manuscripts. Mais il n'y a pas d'original, de manuscrit original. No, which translation? What translation you are reading? Quelle translation de la Bible tu as? Is that the same one you quote for me as Isaiah? Est-ce la même Bible là où tu lisais le livre du prophète Isaïe? No, my friend, I just bought one from a shop. Ah, j'ai juste acheté une Bible qu'on vendait au shop, dans le magasin. J'ai acheté la Bible. Ah, okay, no problem. All right. Okay, pas de problème. Now, it's NIV or something. La Bible NIV. C'est ce que j'ai. I will beat you from the NIV, no problem. Non, même si tu as des problèmes avec ça. Je lis la Bible même, NIV, la nouvelle interprétation de la Bible, New International Version en anglais. Tu peux lire même cette version. Même la version là, je vais te battre à partir de cette version de la Bible. Read for me. Oui, tu peux me lire ça. Here we go. Are you happy? I want to make you happy. Es-tu content? Je vais te faire content. Don't even go to a shop and buy a Bible because oh no, Abdul, listen. Donc, ne peux même pas partir dans un magasin acheter une Bible. Ou quoi? Attends. Do you accept your Sephardi translation? Say yes. Est-ce que toi, en tant que musulman, tu acceptes toutes les translations du Coran? Puisqu'il y a des gens qui disent que d'autres translations ne sont pas bonnes. Tu acceptes la translation du Coran selon Youssouf Ali? One second, I'm getting. Do you accept? No, as long as you are talking about translation, do you accept your Sephardi translation? Say yes. Comme toi, tu parles des translations de la Bible. Est-ce que toi, tu acceptes la translation du Coran selon Youssouf Ali? What? Do you accept your Sephardi translation? Say yes. Ok, quoi? Est-ce que tu acceptes la translation du Coran selon Youssouf Ali? Dis oui. Do I accept any translation? Do you accept Youssef Ali translation? Pourquoi acceptes-tu? Est-ce que tu acceptes la translation du Coran selon Youssouf Ali? Oh, to the Quran. For the Quran? Yes or no? La translation du Coran, oui ou non? For the Quran? Yes. La translation du Coran, oui? Yes. Okay. Oui. In chapter 19, verse number 19, it says that Jesus is holy. Dans la translation du Coran selon Youssouf Ali, chapitre 19, au verset 19, on dit que Jésus est saint. Is what? Is holy. Quoi? Il dit que Jésus-Christ est saint. Dans la translation Youssouf Ali. Accept that. Tu acceptes ça? Yes, of course. Oui, évidemment. But Muhammad is sinner in the translation of Youssouf Ali. How does this happen? Et dans la translation de Youssouf Ali, Muhammad est pécheur. Comment se fait-il que ça s'est réalisé comme ça? How Jesus is holy. But Jesus is sinless, right? You just say that? Jésus-Christ n'a pas de péché. Tu as dit ça? And Muhammad was sinner. Et Muhammad était pécheur. Huh? Muhammad was sinner and Jesus is sinless, correct? Donc,
Jésus-Christ était sans péché et Muhammad était pécheur. Yes. Okay. Oui. Okay. So how Jesus is not God then if you just said he's sinless? Mais là, comment se dire que Jésus-Christ ne soit pas Dieu puisque tu as dit que Jésus est sans péché? You ask me to prove to you that Jesus is God. Tu me poses la question de prouver si Jésus est Dieu. You ask me to prove. You ask me to. You know you heard me and you answered and everybody heard you. Tu as entendu. Tu as répondu et tout le monde t'a entendu. You ask me to prove to you. Tu me poses la question de te prouver that Jesus is God and you just admitted that your prophet is a sinner. Et tu de prouver que Jésus-Christ est Dieu et tu viens d'admettre que ton prophète est un pécheur. And Jesus is sinless. Et Jésus-Christ est sans péché. How a human being can be sinless? Comment est-ce qu'un être humain peut être sans péché? Because God made him sinless. Okay. Puisque Dieu l'a fait sans péché. Why Muhammad is not sinless then? Maintenant, comment est-ce que Muhammad lui n'est pas sans péché? Because that wasn't his mission. Après, c'était pas sa mission. Okay, so the mission of Muhammad to be sinless, the mission of Jesus is to be holy. Yes. Okay. Oui. Donc, la mission de Muhammad, c'était d'être pécheur, et la mission de Jésus était d'être saint. Ça, c'est l'idée du prince. When a person he is holy, does that make him human? Est-ce que si la personne est sainte, cela fait de lui un être humain? Or God? Ou bien Dieu? Well, just for Jesus. What holy mean exactly? Holy sur Jésus. Mais que veut dire saint? Qu'est-ce que ça veut dire? Mean he never make even a mistake. Ça veut dire qu'il n'a jamais fait même une erreur. Correct? Correct. Because yes. Sin can be done yes. By mistake, can be done in purpose, can be done in many ways. Puisque une erreur peut être faite par erreur ou bien d'une manière la fortuite par beaucoup de voies. So Jesus, you are saying to us, he never commits sin. Maintenant, le Jésus dont nous parlons. Il n'a jamais fait un péché. He never made a mistake. That makes him a perfect person. Il n'a jamais fait d'erreur. Ça fait de lui une personne parfaite. Who is perfect except God? Qui est parfait en dehors de Dieu? Can you answer? Une réponse? Is there anyone else perfect beside God? Y a-t-il quelqu'un qui soit parfait en dehors de Dieu? No. No. So Jesus is God. Donc Jésus-Christ est Dieu. For he just admit that he is perfect. He never makes a sin. He never commits a sin. Puis tu as juste admis qu'il est parfait. Il n'a jamais fait de péché. He never made a mistake. Il n'a jamais fait une erreur. And you just confirm that the mission of Jesus to be sinless and the mission of Muhammad to be the devil. Et tu viens de confirmer que la mission de Jésus c'est d'être sans péché. Et la mission de Muhammad, c'est d'être un diable. To be sinner. D'être un pécheur. When you say my mission is to be sinner, that's mean I am playing the devil. So, lorsque tu dis que ma mission c'est d'être un pécheur, ça veut dire que je joue le rôle du diable. You are saying to me that we have a bad cop, good cop. Tu me dis que on a des gens qui sont bons, des gens mauvais. Jesus is the good God. Muhammad is the bad devil. Jésus-Christ, c'est le bon Dieu. Muhammad, lui, c'est un mauvais diable. This is what you just said to us. C'est ce que tu nous as dit. How can man be God? You just told me he is God. I don't know. Comment est-ce qu'un homme peut être Dieu? Mais toi, tu viens de me dire qu'il était Dieu. I don't need to prove it to you no more. You just accepted how man can be. Mais je n'ai plus besoin de te prouver ça. Comment est-ce qu'un homme peut être Dieu? God, I do not need to prove it to you no more. You just accepted how man can be sinless. Comment est-ce qu'un homme peut être sans péché? You tell me. Toi, dis-moi. How he is just a man and he is sinless. I am sinless. You are sinless. Everybody is sinless. Ou bien, tu as déjà vu un homme sans péché. Moi, je suis sans péché. Toi, tu es sans péché. I am not sinless. You are not sinless. Everybody is sinner. So, nous tous sommes pécheurs. Je suis pas sans péché, tu n'es pas sans péché. How Jesus is not sinless? Tell me, explain to me. Comment est-ce que Jésus, lui, il est sans péché? Because God made him not sinless. Ah, puisque Dieu l'a fait sans péché.
Okay, God made him not sinless for what reason? Why? Pourquoi est-ce que Dieu l'a fait sans péché? Pourquoi? There must be a reason. Il doit y avoir une raison. That's a good question. I don't know. Et c'est une bonne question. Je ne connais pas la réponse. Ah, the good question, no answer for it. I know why. Because. Ah, donc une bonne question, mais pas de réponse. Mais je sais pourquoi. Because he's perfect. Puisqu'il est parfait. And a person who have no sin, shall he die? Et la personne qui est sans péché, peut-elle mourir? Shall he go to judgment day? Est-ce qu'elle peut partir au jugement? If you have no sin, what do you think? S'il n'a pas de péché, qu'est-ce que tu penses? No. Well, no, because Jesus is on the right hand of the Father. Thank you very much. So Jesus, guys, he just admitted Jesus will never go. Pourquoi? On va réjouir ça. On a souhaité quelque chose. Thank you very much. So Jesus, guys. Jesus is on the right hand of the Father. Thank you very much. Puisque Jésus est à la droite de Dieu. Judgment day? If you have no sin, what do you think? S'il est sans péché? No. Well, no, because Jesus is on the right hand of the Father. Thank you very much. Puisque Jésus est à la droite de Dieu. Merci beaucoup. So Jesus, guys, he just admitted Jesus will never go to the court. Donc, il vient d'admettre que Jésus n'ira pas au tribunal. For there's no sin to be judged for. Puisqu'il n'y a pas de péché qui doit être jugé sur lui. So he is above all mankind. Donc, il est au-dessus de toute la création, de toute l'humanité. He is not like anyone. Il n'est pas comme n'importe qui. Everybody go in the judgment day to be judged. Tout le monde ira au jour du jugement pour être jugé. But except Jesus. Sauf Jésus. Now, is it true that your prophet said that Jesus is going to be judge absolute just and justice, Hakam and Mukhsitan? Est-ce que est-il vrai que votre prophète a dit que Jésus-Christ sera le juge suprême, le juge absolu? Jesus isn't going to be judged, no. Non, Muhammad. Ah, Jésus-Christ ne sera pas jugé. Non, non, c'est Muhammad qui a dit. And Jesus, yes, oh, he said Muhammad that. Yes, Jesus said that. Yeah, but Muhammad. Jésus a dit ça. Muhammad said that he, Jesus, is going to be hakaman muqsitan, which means absolute just and justice. Muhammad a dit que Jésus-Christ, lui, sera le juge suprême, le juge absolu de la justice. Yes. Okay. How you can be absolute justice? Comment est-ce que Jésus peut être un juge, juge juste et absolu? If you are not God. S'il n'est pas Dieu. There's no absolute justice except God, because God, he knows the unseen. Il n'y a pas de juge juste absolu en dehors de Dieu, puisque Dieu connaît même ce qui est inconnu. He knows his line, right? Il connaît donc tout ça. Lorsque les gens mentent, bien, l'invisible, il connaît tout. I can fool a judge if he. Je peux tromper un juge. He's a human being. I can lie to him. Si c'est un humain, je peux le tromper, je peux mentir. I can cry and make him believe I am innocent. He will let me go. Je peux crier, je peux commencer à pleurer pour le tromper que je suis innocent, et il peut même me donner des circonstances atténuantes et me laisser partir. But I cannot fool God. Mais je ne peux pas tromper Dieu. So in order for Jesus to be the judge in the judgment day, mais pour que Jésus and soit to be absolute judge, pour que Jésus soit juge le jour du jugement et qu'il soit le juge absolu juste. He's not judge in judgment day. He is. Judgment day. He is. And to be absolute judge. No, Jesus is not judgment day. Non, Jésus-Christ ne sera pas juge le jour du jugement. He is. Et si, il sera juge le jour du jugement. Who, okay, when Jesus is going to be practicing his judgment according to Islam? Ou bien, selon l'islam, quand est-ce que Jésus-Christ sera jugé? Can you show me where it says that Jesus is going to judge? Est-ce que tu peux me montrer là où on a dit que Jésus-Christ va juger? In the Quran? Dans le Coran? Not in the Quran, this is from the Hadith. Pas dans le Coran, là c'est écrit dans les Hadiths. Oh, in the Hadith? Yeah. Dans les Hadiths, oui. Which one? Quel Hadith? No, no. Attends. Sahih Bukhari? C'est Sahih Bukhari ou bien? Well, hold on. Attends.
Let me see if I can find it in English first. Je cherchais ça, si je peux trouver ça en anglais d'abord. If not, then we have to show it in Arabic. Si je ne trouve pas, je vais te montrer en arabe. All right. Here we go. It's in English in front of us. This is Sahih Muslim. Là, c'est en anglais. C'est Sahih Muslim. And the translation here is not really accurate. And this. Et la translation n'est pas tellement correcte. C'est Sahih Bukhari. Là, read with me, please. Là, c'est Sahih Bukhari. What translation is this? I mean, where is this coming from? Sorry, this is Sahih Muslim and Sahih Bukhari. Let me. Ça, c'est Sahih Muslim et puis Sahih Bukhari. Show you one by one. All right. Je te le montrer un à un. Okay. Sahih Bukhari, hadith number 2222. Sahih Bukhari, numéro 2222. Which means 4-2. Cela veut dire 4-2. Sahih Bukhari, or Sahih Muslim. Sahih Bukhari, ou bien Sahih Muslim. Hadith number 155A. Numéro 155A. Sahih al-Bukhari 2476. Sahih Bukhari numéro 2476. All right. Okay. Jami' al-Tirmidhi. Jami' al-Tirmidhi. Hadith number 2233. Numéro 2233. Okay, let us go. Enough. We do not need to show more. It is Sahih. Now. Ok, on ne va pas te montrer tout. Hein. Bon, c'est, tout ça, c'est sahih, authentique. Muhammad, he swear that in the judgment day, Muhammad a juré que le jour du jugement, he says, by the one who is in my hand is his my soul, par celui dans la main duquel se trouve mon âme, Ibn Maryam, which means the son of Mary, Ibn Maryam, ça veut dire que le fils de Marie, Jésus, shall soon descend. Does it say there soon? Do you see the word soon? Descendra bientôt. Tu vois le mot soon qui veut dire bientôt? It's okay. Can I just read that because I think you're speaking to me before I can see it on the screen. All right. Est-ce que tu peux? Je peux lire ça puisque tu m'as parlé de ça avant de montrer ça à l'écran. Je vais lire moi-même. Can I just read? Okay, read it. Take your time. Tu peux lire? I'm zooming in for you so you can see it better. Okay. Je zoome pour que tu puisses lire. It doesn't, maybe it's because you haven't showed me it yet, it doesn't say that Jesus is going to be judging, you know? Mais ça ne dit pas que Jésus-Christ, il va juger. Attendez, on va vous montrer ce verset-là pendant que le frère est là, était en train de lire. On va vous montrer ça en français. Nous avons mis ça en français pour nos frères francophones. Sourate 19, au verset 19, là c'est là où il parlait que Jésus-Christ est saint dans le Coran de Yusuf Ali. Il dit non, je suis qu'un messager de ton Seigneur pour t'annoncer le don d'un fils saint. Là c'est une translation du Coran qu'on appelle Yusuf Ali, une translation qui est vraiment répandue ici en Afrique australe. C'est Sourate 19, au verset 19. T'annoncer le don d'un fils saint. Ok, on continue avec le hadith que le frère est en train de lire. Ça, c'est Jami al-Tirmidhi, numéro 2233. Abu Huraira a rapporté que le prophète a dit, « Par celui dans la main duquel est mon âme, Ibn Maryam, Jésus descendra bientôt parmi vous, jugeant avec justice. » Jésus va juger avec la justice. Hein, c'est de ça que les chrétiens parlent. Et puis, ils ont touché, il y a beaucoup de hadiths, il y a celui-ci qui dit même, Sahih Bukhari numéro 34-48, il dit, Abu Huraira a rapporté, le messager d'Allah dit, par celui dans la main duquel mon âme est, sûrement Jésus, fils de Marie, descendra bientôt parmi vous et il jugera l'humanité
avec justice. Jésus va juger l'humanité avec justice. Je vais agrandir ça à la grande échelle. Et Jésus jugera l'humanité avec justice comme un souverain juste. Ah, ça, c'est la disque que Christian Prince est en train de parler. Ah, OK, on continue, on retourne vite, promptement, à Christian Prince. Nous voici. It says that, but what do you want to talk about? It doesn't, maybe it's because you haven't showed me it yet, it doesn't say that. Peut-être que tu ne m'as pas bien montré ça, on n'a pas dit que Jésus-Christ va juger. Jesus is going to be judging, you know. On n'a pas dit que Jésus-Christ va juger. It says that, but what do you... Mais c'était qui là? What are you talking about? It's in front of you. C'est devant toi. It says, well, by the one judging justly. Il dit qu'il vient, il jugera justement. Do you see it? Tu vois ça? Does it not see Mariam shall soon descend among you, judging justly? Yeah, it says that in front of you. Are you looking at the screen? Are you looking? Everybody can. Est-ce que tu regardes l'écran? Tout le monde peut voir ça? Hein? C'est écrit là. Et il viendra et il jugera. Il va juger avec justice. Il y a quelque chose que on n'a pas bien montré. Il faut qu'on puisse se retourner. Juste une minute. On va vous montrer. Juste une minute, OK. Ah, ça, c'est vraiment important. On va retourner ici. OK, on continue avec Christian Prince. La vidéo, OK. You can see it. Well, you can see it. Should I give you the link? C'est écrit là. Comment tu ne vois pas ça? Ou bien tu veux que je puisse t'envoyer le lien? Point in your browser there. Je peux t'envoyer le lien dans ta boîte? Yes. OK, here we go. Let me give you the link in Skype. OK. Je vais t'envoyer le lien sur Skype. Take a look in your Skype, please. Tu peux vérifier dans ton Skype. And I will give it to you actually too in the text in the chat. Et je vais même t'envoyer ça dans les commentaires, dans un texte. There we go. Je t'ai envoyé ça. In your Skype. Dans ton Skype. Open it and read for us. Take your time. Tu peux ouvrir et lire ça pour nous. Je vais vous pointer quelque chose dans cet adice. Hein, Christian Prince va parler de ça. Il dit que Jésus-Christ il va juger avec justice. Il brisera la croix. Jésus va briser la croix. Et puis, il tuera le cochon. Pourquoi est-ce que Jésus a tué ce cochon? Qu'est-ce que ce cochon a fait? Enlèvera la jizya et la richesse sera si abondante qu'il n'y aura personne pour l'accepter. Mais le problème, c'est Jésus va juger avec justice l'humanité. Dans l'autre hadith, il dit il va briser la croix et tuera le cochon. Pas tout le cochon, mais ici c'est un cochon au singulier. Le cochon, qu'est-ce que le cochon a fait? Christian Prince va parler de ça. On continue avec la vidéo. I the one who handles my soul. I the one who handles my soul. Yes, I can see it. All right.
So how Jesus is going to be the judge and what it's mean to be justly. Oui, j'ai vu ça. OK. Mais comment est-ce que Jésus-Christ sera le juge? Qu'est-ce que ça veut dire va juger avec justice? How he can do that? Comment est-ce qu'il peut faire ça? Nobody can do that. Personne ne peut faire ça. Human, they make errors. Les humains commettent des erreurs. So? OK. I need to come back to that. Non, je dois revenir, hein. I need to go somewhere and ask my imam. Ah, je dois partir quelque part, hein. Je vais demander à mon imam. OK. Go and ask your imam, no problem. What about you call your imam to call me? What do you think? OK, c'est bon, on va demander à ton imam. Mais pourquoi ne pas juste appeler ton imam pour qu'il puisse parler avec nous au téléphone? That would be better. Yeah, what about, you know, ça sera bon si tu l'appelles. I mean, you make him call me. Tu peux lui dire de m'appeler au téléphone. That would be better. Ça sera mieux. I don't think he will because he's old. Ah, je ne pense pas qu'il va le faire puisque il est vieux. C'est un vieil homme. I am old too. Je suis aussi vieux. Yeah. So now look what you said to me. Mais regarde ce que tu m'as dit. You just admitted that Jesus is perfect. Tu as juste dit, admis que Jésus-Christ est parfait. Jesus is no sin, have no sin. He is. Jésus est sans péché. He is sinless. Il est Jesus is going to judge in the judgment day. Jésus va juger le jour du jugement. And he will judge justly. Et va juger avec justice. And Jesus. Is you know, look what your prophet here said. Actually, he made a false prophecy. Did you notice what? Jésus, regarde même ce que ton prophète a dit dans cet hadith. Il a même fait une fausse prophétie ici. The false prophecy in the hadith. Est-ce que tu as remarqué une fausse prophétie dans les hadiths? Did you notice the false prophecy? As-tu remarqué la fausse prophétie dans ces hadiths ici? Non. Your prophet, he said that the Messiah, Yoshiko, which means almost, he is coming down very soon, not on, like almost in the corner. Your prophet, he said. Dans cet hadith-là, le mot qu'on utilise en arabe, c'est comme si Jésus était en train de descendre même à cette époque-là. Il descendait. Ils ont écrit soon. Bon, c'est un abus de langage. Mais comme si Jésus descendait à la même place en arabe. So, this is something Muhammad he prophesied that Jesus is coming down very soon. Il dit que Jésus-Christ descendait sur la terre très bientôt. 1400 years ago. Il y avait 1400 ans. Yeah. Okay. Oui. So why you think this prophecy is not happening? Pourquoi tu penses que ces prophéties tardent à venir? N'est pas. Because judgment day, right? Yeah, but I mean, this is not, he said soon. Do you see the word soon? Tu vois le mot bientôt là? Actually, in Arabic, it doesn't say soon. It's very, it says almost. But in Arabic, it doesn't say soon. It's very, it says almost. En arabe, on n'a même pas dit le mot bientôt. Ce n'est pas bientôt. Ça veut dire presque. C'est comme s'il était déjà en train de descendre, le mot arabe. Ce n'est pas bientôt. But it's more than soon. You can't say just because he said soon. It's like when Jesus said, "I'll come back soon." Yeah. Mais tu ne peux pas dire parce que Jésus a dit aussi, "Je viens bientôt." What Jesus can say? Come back soon. Quand est-ce que dit Jésus vient bientôt? It says in Arabic, my friend. You are reading translation. It says, "La yushukunna." Oui, si tu lis la translation, le mot arabe, ce n'est pas ça. Yushukina. Which means it's almost his translation. It says, "La yushukunna." Which means it's almost, he's coming down, almost, he's there. Ce mot-là veut dire, ça ne veut même pas dire bientôt, c'est dire, il est presque là, il est déjà là, presque là.
So it's a false prophecy. Jesus now, said that let me ask. C'est une fausse prophétie. Your question. Let me ask your question. Do you see? Okay. Forget about this. Attends. Je te pose une question. There. Do you see there your prophet saying that Jesus? Hold on. Est-ce que tu vois là ton prophète a dit? Come back soon. Jésus a dit, je viens. Jésus vient bientôt. Say there that Jesus will kill the pig. Tu as vu? Il est écrit, Jésus va venir et va tuer le cochon. Is it true that Jesus will kill the pig? Est-il vrai que Jésus viendra tuer les cochons? Does it say that Jesus will kill the pig? Yeah. Est-ce qu'on a dit que Jésus va tuer le cochon? Oui. Huh? Yeah. Okay, why? Pourquoi? I guess because we don't eat pigs, so I guess. So? Mais nous ne mangeons pas le cochon, le porc, c'est pour cela. Et alors? Oh, you don't eat cockroaches too. Mais vous ne mangez pas le cancrela, hein? Des cancrela, vous ne mangez pas, des cafards. So why Jesus want to kill the pig? What's the problem with the pig? Ah, mais pourquoi Jésus va tuer seulement le cochon? Pourquoi? What's the problem between Allah and the pig? There is a fight between them, there's a problem. What is the problem? Quel est le problème, le conflit entre Allah et le cochon? Y a-t-il un problème là, entre les deux? Puisque le cochon est un animal sale, impur. So there's many dirty animals. Il y a beaucoup d'animaux qui sont impurs. Human beings are. Il y a beaucoup d'animaux qui sont sales. So there's many dirty animals. Human beings are dirty too. Même les êtres humains sont sales. Don't take a shower for 2 days. You will stink. Si tu ne te laves pas pendant 2 jours, mais tu vas puer. So why? What do you mean, dirty animals? All animals are dirty. Qu'est-ce que tu veux dire, les animaux sales? Tous les animaux sont sales. They are dirty too. Nous sommes aussi sales. What does that mean? Qu'est-ce que tu veux dire? Your prophet, he used to have a lot of lice in his head because. Votre prophète avait beaucoup de poux. De poux dans ses cheveux. But he's dirty. It's in his head because he's dirty. Dans sa tête, puisqu'il était sale. The pigs don't have lice. Les cochons n'ont pas de poux. Don't you know that? Tu sais ça? They don't have lice. Yep. Ils n'ont pas de. Les cochons n'ont pas de poux. They don't have lice. Your prophet have a lot of lice in his head. Votre prophète avait beaucoup de poux dans sa tête, dans ses cheveux. So, your prophet, he used to take a shower in dirty water, have dead dogs. Votre prophète avait l'habitude de se laver dans de l'eau sale, là où il y avait même des chiens qui étaient morts. And women of blood from period, the pigs don't do that. Et il y avait même des linges sales, des femmes qui étaient en règle, en menstrues, là où ils jetaient ça. Muhammad se lavait dans cette eau. Women of blood from period. The pigs don't do that. Les cochons ne font pas ça. So why he want to kill the pig? What's the problem between Allah and the pig? Même pourquoi est-ce qu'il veut tuer le cochon? Quel est le problème entre Allah et le cochon? To find the reason why Isa, the Muslim Isa, why he want to wage war against the pig and which? Mais comment se dit que le Isa, le Jésus de musulmans, comment est-ce qu'il va provoquer une guerre entre lui avec le cochon? Pig. It says a pig. There's one pig. Le cochon. On a dit le cochon. Un seul. The pig. Un cochon. Is that a big pig or something? Est-ce un grand cochon ou bien ou quelque chose comme ça? Is he like a powerful pig? C'est comme un cochon très puissant. Big pig. Grand cochon. Is sexy pig. Ou bien un cochon sexy. What? I'm trying to find out. Know. Do you think this pig is going to be found in Las Vegas or in Florida? Hein? Hein? Tu penses que ce cochon sera trouvé à Las Vegas ou bien à Florida? Do you think this pig is going to be found in Las Vegas or in Florida in the beach? On va trouver ce cochon à la plage. What the problem? God is sending the most powerful person he have. His name is Isa. Comment ça? Dieu envoie la personne la plus puissante qu'il a et son nom c'est Isa, Jésus.
And Esau now is going to wage a war against the pig. Et Jésus va maintenant combattre dans un combat, une bataille contre le cochon. So do you think the pig is going to have an army too? Tu penses que ce cochon aussi aura une armée? Oh, it's just like a cowboy. You know, we see two guys. Asa have his magnum gun. Ou bien ça sera comme un cowboy, hein? On aura Jésus qui viendra avec son revolver de magnum. And the pig, he have his gun. Et le cochon aussi aura son revolver. And Asa, he says to the pig, we count in three, and the first one who shoot. Et Jésus va dire au cochon, on va compter jusqu'à trois, et celui qui va tirer, he is the winner. Celui qui va gagner la bataille. So, what will happen exactly? How he will kill the pig? Do you know? Comment ça va se faire? Comment est-ce qu'il va tuer le cochon? Christian Prince, woman. Attends, Christian Prince. How did, if Jesus is God? Si Jésus est Dieu. Don't change the topic. Why? Ne change pas le topic. Ne change pas le thème. Don't say if. You just, ne dis pas si. Just admitted that he is God. The word. Tu as juste admis que Jésus est Dieu. If does not exist no more. We just reach the word if does not exist no more. You just admitted that he is God. The word if does not exist no more. Tu as juste admis que Jésus est Dieu. Alors le mot si, ça n'existe plus. We just reach agreement, me and you. On a juste atteint, nous sommes mis d'accord. That Jesus is alive. Que Jésus est vivant. He is sinless. Il est sans péché. He will come back. Il viendra. He is absolute judge. He will be perfect judge. C'est le juge absolu, le juge parfait. And he is a perfect person. Et la personne parfaite. And nobody is perfect save God. Et il n'y a personne qui soit parfait en dehors de Dieu. So you do not need to be convinced more that Jesus is God. Alors tu n'as pas besoin d'être convaincu plus que Jésus est Dieu. But now we need to ask a very simple question. Nous devons maintenant nous poser une simple question. Why Jesus wanna kill the pig? Pourquoi est-ce que Jésus veut tuer le cochon? Why not the donkey? Pourquoi ne pas tuer l'âne, un âne? You see, as an example, comme par exemple, Muhammad, he said the enemy of Allah is the mice. Muhammad avait dit que l'ennemi de Allah c'était une souris ou bien un rat. The enemy of Allah is the mice. L'ennemi d'Allah sont les rats. Why Jesus is not going to have a cowboy fight with the mice? Comment est-ce que Jésus ne viendra pas combattre les rats? Why the pig? Seulement le cochon. What the pig exactly did to Allah? Qu'est-ce que le cochon a fait à Allah? He's an animal like all animals. C'est un animal comme les autres. What is a big deal about the pig? We want to know. Qu'est-ce que le cochon a fait de spécial? What is it special? C'est quoi? It's just a bad animal. C'est un mauvais animal. Why it's bad? Pourquoi est-ce qu'il est mauvais? Okay, do you know, my friend? Est-ce que mon ami, tu sais? No, okay. Do you have anyone? Listen. As-tu quelqu'un? What's your name again? What was your name again? What's your name again? Ton nom, comment tu t'appelles encore? Ton nom, c'est qui encore? What's your name? Ton nom, c'est qui encore? Why? No, answer my question first. Ah non, réponds d'abord à ma question. I'm asking you, I want to call you by your name. I don't want to. Je vais t'appeler par ton nom. Call you Abdul. Je ne veux pas t'appeler Abdul. Okay, Abdul, no problem. Abdul. Okay, je t'appelle Abdul. Abdul. Listen. Do you have any Kashim? Okay. Mon nom c'est Kashim. Ah okay, Kashim. Do you have any family member have diabetes? As-tu quelqu'un dans ta famille qui souffre de diabète? My nan did before she died, yes. All right. Ah oui, donc ma tante avait le diabète, hein, avant de mourir. Do you know what the medicine they give to somebody who have a diabetes? Et tu sais le médicament qu'on donne à quelqu'un pour traiter le diabète? Well, they can give him plenty. They can give him all sorts. Yeah, but do you know it's? Oh, ils peuvent lui donner beaucoup de médicaments. Made from what? It's made from pigs. Do you know that? Tu sais, c'est fabriqué sur base de quoi? C'est fabriqué sur base de cochons, de porcs. So pigs are very useful animals and they save millions of people. Donc les cochons sont des animaux très importants qui sauvent beaucoup de vies. Have you ever had a surgery yourself? As-tu déjà été opéré? Do you have stitches or something? Une intervention chirurgicale sur ton corps? As-tu des sutures? Have you ever had stitches?
Est-ce qu'on t'a jamais des sutures et opérations chirurgicales sur ton corps? Yeah, when I was Okay. bit by a dog. Do you know that Oui, quelques années. stitches is made from the meat, the skin of the pigs? Est-ce que tu sais que le fil qu'on utilise pour faire des sutures, bander les plaies dans des opérations, c'est fait sur base de la viande de porc? Do you know that? No, no. Oh yeah. Est-ce que tu sais ça? Oui. Show me. You can go and search it. Don't tell me, show me. Montre-moi, montre-moi. Speak English. You know, you have a computer. Mais ne me dis pas de montrer. Tu peux aller chercher ça. Tu parles anglais. Tu as un ordinateur. Just search. Va je chercher sur Internet. So okay, pigs, pigs save life. Pigs, pigs they save life. Your prophet killed people. So pig. Les cochons sauvent des vies. Ça sauve beaucoup de vies. Tandis que votre prophète, lui, il tue beaucoup de gens. So pigs, pigs save life. Pigs, pigs they save life. Your prophet killed people. So pig, and if we say we have a pig and we have Muhammad, which one is better? Les cochons sauvent beaucoup de vies. Votre prophète tue beaucoup de gens. Si nous avons, si on doit choisir entre le cochon et votre prophète, qui est bon, qui est meilleur? Muhammad, which one is better? We say we have a pig and we have Muhammad. Which one is better? Qui est meilleur entre les deux? The pig. Le cochon. Millions of people will die. They have diabetes, but the pig is saving their life. Beaucoup de gens, des millions de gens devraient mourir, mais nous avons le cochon et ça sauve des vies. Millions. Des millions. Christians, Jews, Hindus, Muslims, doesn't matter. Des millions de gens, chrétiens, musulmans, juifs, hindous, peu importe. Only many human beings, they are saved by Mr. Pig. Beaucoup d'êtres humains, des millions, sont sauvés par Monsieur le cochon. Now, you millions of people die because of Muhammad. So who is more dangerous, the pig or Muhammad? Et des millions de gens meurent à cause de Muhammad. Mais là, qui est dangereux entre Muhammad et le cochon? Qui est dangereux? Muhammad was being just self-defending. What? Ah, Muhammad lui faisait la self-défense. Il se défendait. C'était l'autodéfense. Self-defending. Quel self-defending? What, self-defending? What do you mean self-defending? Qu'est-ce que tu veux dire? Il se défendait lui-même. Yeah? I mean, someone attacked okay. him. Hold on. Muhammad. Je dis, si quelqu'un l'attaquait. But he said, Muhammad, he said, the one who changed his religion, kill him. Is that? Est-ce que Muhammad a dit, par exemple, celui qui change la sa religion, il faut le tuer. Tu appelles ça qui se défendait? He said, Muhammad, he said, the one who changed his religion, kill him. Is that self-defending? Hein? Est-ce qu'il se défendait? Well, it's he obviously didn't want people to be led astray. What? Quoi? If I want to leave Islam, is that self-defense? Si je dois quitter l'islam, me tuer, est-ce une autodéfense? I don't want to be a Muslim. Why you want to kill me? You said this is self. Je veux quitter l'islam. Je ne veux plus être musulman. Alors pourquoi est-ce qu'ils veulent me tuer? Et tu appelles ça il se défendait? I don't want to be a Muslim. Why you want to kill me? You said this is self-defense, right? Okay. Somebody don't want to be a Muslim. Why he will kill him? Quelqu'un veut quitter l'islam. Mais alors pourquoi est-ce que vous voulez le tuer? If it's only self-defense, as if you claim. Si c'est l'autodéfense, comme tu dis, self-defense. Hmm? Anyway, I'm so glad that you called me, but you know, I want you to try next time. Je suis content que tu m'aies appelé de toute façon. Alors, j'aimerais que prochainement tu puisses essayer. To get me your sheikh, you know, call him in the mosque. D'appeler ton sheikh, tu peux l'appeler dans votre mosquée. And tell him that, sheikhs. Et tu peux lui dire que sheikh. They will not debate me unless you pay them. So, bon, comme le sheikh n'aime pas débattre, à moins que tu ne puisses le payer. Let me tell you what to do. Je vais te dire ce que tu dois faire. Tell him that you will give him $20. You know, you will buy him a headphone. Ok, tu vas lui dire que tu vas lui donner $20 pour qu'il puisse me débattre
Et tu vas lui acheter des écouteurs de téléphone. Bluetooth. Des téléphones de Bluetooth. You know, then he will love to debate me. Alors il viendra, il aimera venir me débattre. So you have to promise me something because you know Muslims and you are Alors tu dois me promettre quelque chose. Vous savez, les musulmans. Muslim too. They like rewards. They don't do things for free. Les musulmans, ils aiment toujours des récompenses. Ils ne font rien pour rien. Like why the Muslims want to do jihad? Because they want to get a lot of vagina. Pourquoi est-ce que les musulmans font le jihad? Pourquoi est-ce qu'ils aiment faire ça? C'est puisqu'ils auront beaucoup de vagins. Non. Okay, did your prophet say that Allah will give you 80,000 women? Est-ce que votre prophète avait dit que Allah va vous donner 80 000 femmes? What do you mean, Will? What's wrong with you? Each time I... Qu'est-ce que tu dis? Où c'est écrit? Tout le temps que je te dis, je t'en demanderai de... I say to you something, you say where? Si je dis quelque chose, tu me demandes, c'est où? C'est écrit où? Are you born yesterday or what? Est-ce que tu es né hier ou quoi? No. What do you mean where? Qu'est-ce que tu dis où? Okay, hold on. Attends. You didn't answer my question when you said you would answer, by the way. Tu n'as pas répondu à ma question. Tu as dit que tu allais répondre à ma question. Which one? Quelle question? If Jesus is God, how could he be tempted by Satan? Si Jésus-Christ était Dieu, comment il avait été tenté par Satan? What it says he tempted by Satan? Do you know what tempted means? Tu connais la situation de ce que veut dire tenté par Satan? Là où c'est écrit, il était tenté par Satan. Yes. Okay, you just told me everybody is laughing at you now. Tu viens de me dire tout le monde est en train de rire, c'est ce que tu dis? You just told me and everybody heard you that Jesus is sinless. Tu venais de me dire que Jésus-Christ est sans péché. So Satan he can try to tempt as much as he wish. Oui, Satan peut venir, il peut essayer de tenter comme il veut, Satan peut tenter. Still he is sinless. Mais il est sans péché. Let us say. Attends. Satan, he come to me as a woman and she start doing belly dancing. Je te donne un exemple. Satan vient chez moi comme une femme et il commence à faire des striptease. Il commence à danser d'une manière sexuelle devant moi. This is trying. He's tempting. Il me tente. Il est en train de me tenter. He's tempting me, right? But I did not commit sin, so shit. Il me tente, mais je n'ai pas commis de péché. Satan did not do anything. So the Bible tells us that Satan he tried. C'est pour ça que la Bible nous dit que Satan est parti tenter, il est parti essayer. But it doesn't affect Jesus. Mais cela n'a pas affecté Jésus. And you just admitted that Jesus is sinless. So, et tu venais d'admettre que Jésus est sans péché. But he's God. Okay. Donc il est Dieu. Your prophet he said, look at this. Votre prophète a dit. Let us show you the hadith. Je te montrerai les hadiths. Let's see this one first. On va voir ces the hadiths. Prophet said, the list of the people of paradise. Là, c'est l'hadith de Muhammad. Il dit que le moindre des gens du paradis in the position of the one with 80,000 servants and 72 wives. La personne la plus basse du paradis, le moindre des gens en position, ils auront 80 000 serviteurs et 72 femmes. Yes, 72, yes, 80,000. No, this is the law. Ah oui, on a écrit 72 là-bas. Mais toi, tu parlais qu'ils auront 80 000 femmes. Yes, 72, yes, 80,000. No, this is the lowest reward, my friend. 72 is for the bad Muslim. Non, il est écrit ici, ça c'est le moindre des gens dans un paradis, au paradis qui sera en moindre position. On a écrit des listes. Ça veut dire que le moindre. Donc, ça, c'est pour les mauvais musulmans. Les mauvais musulmans, ceux qui n'étaient pas très bons musulmans, eux, ils n'auront que 72 femmes. It says there, the least of people. This is not the reward for every Muslim. This is the bad Muslim. Yes.
Ça, ce n'est pas la récompense de tous les musulmans. Il est écrit des listes. Donc, les gens les plus moindres du paradis, ils auront 72 femmes. Attendez, on va vous projeter ce verset, ce chapitre du Coran. Il est là. Rapidement, il dit, Jamia Tirmidhi 25-62. Il est écrit, le plus petit des gens, le plus petit des gens du paradis en position est celui qui aura 80 000 serviteurs et 72 femmes. 72 femmes. Voilà, ce sont les plus petits en position. On continue avec Christian Prince rapidement. On y va. Yes. Okay. So the bad Muslim will get 72 wives. Le plus mauvais musulman aura 72 femmes. And 80,000 little boys to serve him, according to that. Et 80 000 petits garçons qui vont commencer à le servir. What does it say, little boys? In the Quran, it says boys. Où est-ce qu'on a écrit 80 000 garçons? Dans le Coran, il est écrit, ils auront 80 000 garçons qui vont les servir, selon les hadiths. Where? Où? What do you mean where? Qu'est-ce que tu veux dire où? I don't know. I'm suspecting that you are a Shia. Je commence à suspecter que tu es un chiite. I don't know. No. I just think you're making lies. There's no. Non. Je suis pas chiite. Moi, je pense que tu fabriques des mensonges. Say no boys. There's no say no boys. I just think you're making lies. There's no say no boys. Je pense que tu fabriques des mensonges. On n'a pas écrit qu'ils auront 80 000 garçons qui vont les servir. All right. They're not going to be virgin boys. Il n'y aura pas des garçons vierges. OK, here we go. Ça, c'est tu fabriques. OK, on y va. You see it? It says, وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غُلْمَانٌ كَأَنَّهُمْ لُؤْنُؤٌ مَكْنُونَ Chapter 52, verse number 24. Chapitre 52, verset 24. And this is the translation of Prophet Yusuf Ali. Et ça, c'est la translation du prophète Yusuf Ali, du Coran. So, what do you say? You told me there is no such thing. Qu'est-ce que tu dis? Tu m'as dit que ça n'existe pas, il n'y a pas de garçon là. It says, this is the translation of Yusuf Ali. Ça, c'est la translation de Yusuf Ali. Young male servants. Il est écrit des serviteurs mâles jeunes. Des jeunes serviteurs mâles. Handsome as pearls. Ils seront beaux comme des perles. Well guarded. Des perles bien protégées. Handsome as pearls. Well guarded. So they are young boys. Donc ce sont des jeunes garçons. All right. If we go to different interpretation, translation. Si nous partons dans d'autres translations, il a fermé son téléphone. If we go to different interpretation, translation, the guy is gone. Ah, il a fermé son téléphone. Si on va dans d'autres translations du Coran. Yeah, does it say here, shall go, boys? This. N'est-ce pas écrit qu'il y aura des garçons qui seront là? Say boys. Boys. Des garçons. Sexy boys. Des garçons, des beaux garçons. Des garçons sexy. Sexy boys. Pretty boys. Beaux garçons. Even in the heaven of Islam, there is a slavery. Même dans le ciel de l'islam, il y a l'esclavage. But you see, guys, when you speak to Muslims, they cannot run away from the truth. Ouais, si vous parlez aux musulmans, ils ne peuvent pas fuir la vérité. Attendez, on va vous montrer ce verset en français. Le verset en français, c'est très intéressant. Là, on parlait de 7 à 10. Il y aura 80 000 serviteurs et 72 femmes. Maintenant, le verset Christian Prince est en train de montrer. C'est dans le Coran, chapitre 52, verset 24.
On dit, et parmi eux circuleront des garçons à leur service, pareil à des perles bien conservées. C'est de ça que Christian Prince était en train de parler. Oh. Here we go. We made them admit. Let us get the conclusion of this conversation with this Abdul. Jerusalem and Israel is the land of the Jews. That's wonderful. Ok, on va faire le sommaire de ce qu'on a parlé avec ce frère qui a appelé. Jérusalem, c'est la terre des Juifs. Merveilleux. Jesus is sinless. Jésus est sans péché. Jesus is perfect. Jésus est parfait. Muhammad is sinner. This is Muhammad est pécheur. His mission, according to what he said, this is what he said. The mission of mission, according to what he said. Muhammad is sinner. This is his mission, according to what he said. This is what he said. Muhammad est pécheur, et c'était sa mission, comme c'est le frère a dit. The mission of Jesus to be sinless. La mission de Jésus, c'était être sans péché. Is the perfect person. La personne ne peut pas faire parfaite. But there is no perfect save God. Mais il y a every pas de... human being make mistakes and do sin. Even Muhammad said, every son of an Adam is a sinner. But Jesus is not the son of an Adam. For he is. On essaie le son. Not born of Adam. Do sin. According to what he said, this is what's wonderful. Jesus is sinless. On a récapitulé. On a répété un tout petit peu. Jésus est sans péché. Jesus is perfect. Jésus est Muhammad parfait. Muhammad is sinner. This is his mission. Jésus et Muhammad est pécheur. Is perfect. Muhammad is sinner. This is his mission. According. Jésus est parfait. Muhammad était un pécheur et c'était sa mission. What he said. This is what he said. Et c'est ce que le monsieur a dit. The mission of Jesus to be sinless. La mission de Jésus c'était être sans péché. The perfect person. La personne la plus parfaite. But there is no perfect save God. Mais il n'y a pas de parfait en dehors de Dieu. Every human being make mistakes and do sin. Chaque être humain fait des erreurs, fait des péchés. Even Muhammad said, every son of an Adam is a sinner. Mais Muhammad a dit chaque fils d'Adam est un pécheur. But Jesus is not the son of an Adam. Mais Jésus n'est pas fils d'un Adam. For he is not born of Adam. Puisqu'il n'est pas né d'Adam. He is from above. Il est d'en haut. As the Quran describes him as the word of God sent down to Mary. Comme le Coran le décrit, qu'il est la parole de Dieu envoyée à Marie. So the word of God became a man. Donc la parole de Dieu est devenue un homme. And that man is a perfect man. Et cet homme-là, c'est l'homme parfait. For he is the perfect God. Puisqu'il est le Dieu parfait. In the form of a man. Le Dieu parfait sous la forme d'un homme. This is why he have no sin. C'est pour ça qu'il n'a pas de péché. He have no errors. Il n'a pas d'erreur. He have no faults. Il n'a pas d'erreur, de faute. And he admitted that Jesus will not go to judgment day to be judged. Et il a admis que Jésus n'ira pas au jugement dernier pour être jugé. And not only that, we showed him from the hadith. Et nous avons montré à partir des hadiths. How Jesus in the judgment day at the end of the time, he will come back. He would. Nous avons montré comment Jésus à la fin du temps viendra. Descend down, actually, not come back. Il pas revenir, mais il seulement revenir, il descendra. Which means he's now in heaven. Ça veut dire qu'il est dans les cieux. This is where his house now. C'est là qu'il se trouve sa maison maintenant. According to Muslims, the house of Jesus, as we speak, is the house of God. Donc, d'après les musulmans, la maison de Dieu, comme nous parlons maintenant, la maison de Jésus, c'est en haut, la maison de Dieu. Everybody is dead. Muhammad himself is dead. Tout le monde est mort, mais Muhammad est aussi mort. Jesus is in heaven watching us. Jésus est aussi allé nous regarder. And yet the Abdul, they are asking you to prove that Jesus is God. Et ici les Abdul, ils vous demandent de le prouver là où Jésus est Dieu. If you are a new person in our channel, don't forget to subscribe. Si vous êtes une personne neuve, si vous êtes nouveau dans notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à nos programmes. And by the way, guys, during my trip, which is going to start this month, dans mes voyages que je vais commencer ce mois ici, I will still post videos.
But Je vais continuer à poster des vidéos. I might not be able to make a live video if I don't have a good speed internet. So bon, peut-être je ne serai pas capable de faire des vidéos en direct si je n'ai pas une bonne connexion d'internet. All right. But I promise you that every day at 4:30, every day in the schedule. Mais je vous promets chaque jour à 4:30. Mostly is going to be maybe Friday. If I, et surtout, I can do on Wednesday, oh, we will see. Vendredi ou bien mercredi, nous allons voir. You will receive videos during the time I am away, and I will not leave you alone. Et vous recevrez des vidéos même lorsque je serai à l'étranger. Je ne veux pas vous laisser seul. However, I will be back anyway. Mais je serai de retour de toutes les façons. And we will have more good time together. Et nous aurons du bon temps ensemble. And if there is any Muslim, et s'il y a un musulman, he have the courage and the qui a le courage knowledge et la connaissance to stand for me, de tenir pour moi, I will be happy to take him. Ah, de venir me débattre, je serai content de le prendre. And as you notice, I go down to the level of the Muslims. It depends. Et comme vous voyez, je descends au niveau du musulman. Ça dépend. If you are a scholar, I go. You know, we talk as a scholars. Si c'est un savant, nous montons au niveau, nous parlons comme savants. If you are a person who do not know much, I will go down speak. Si c'est un musulman qui ne connaît pas beaucoup, je descends. Je parle avec lui. To you as if you are a kid. Je lui parle comme. Not know much, I will go down speak to you as if you are a kid. Je lui veux le parler comme si c'était un enfant. If you are an old man, I will speak to you as an old man. Si c'était un homme âgé, je lui parlais comme un homme âgé. If you are a kid, I will speak to you as a kid. Si c'était un enfant, je lui parlais comme un enfant. However, mais there is no Muslim can answer questions. Il n'y a aucun musulman qui puisse répondre aux questions. For Islam is very dumb, stupid religion. Puisque l'islam, c'est une religion vraiment dingue et trop stupide. A person who believes that God is going to give that endless penis cannot be a human being who have a brain. Puisque un homme qui croit que s'il devient musulman, Allah va lui donner au ciel le sexe très allongé, un pénis sans fin. Ce n'est pas un homme normal. He's obviously under the is possessed or he is under the influence of drugs. Il soit possédé ou bien sous l'influence de drogue. A person who believes that God is a pimp, he provides vaginas nobody touch and they have zero mileage. Quelqu'un qui croit que Dieu, il est un proxénète, c'est quelqu'un qui donne des femmes, des prostituées, il va donner des filles vierges au paradis dont le vagin n'a jamais été touché par quelqu'un. Obviously, he have mental issues. Donc, il a un problème mental. For this is not a job of God. Puis ça, ce n'est pas le travail de Dieu. God is not a pimp from Las Vegas. Dieu n'est pas un proxénète comme celui de Las Vegas. Quelqu'un qui donne des femmes prostituées. If somebody believes that God is working in the cosmetic of women right now as we speak. Si quelqu'un croit que Dieu est en train de travailler, de faire un travail cosmétique des femmes comme nous parlons maintenant. And he is making the skin of a woman smooth. Que Allah est en train de préparer la peau des femmes, que la peau soit lisse. And will take him 1000 years to smooth the skin of a woman. Et que ça va prendre à Allah 1000 ans pour rendre la peau, que la peau soit lisse pour une femme, ça va prendre à Allah 1000 ans. Obviously, this God, he is very slow. Donc, ce Dieu est trop lent. A turtle. Il est trop lent, comme une tortue. God, he is very slow. He's a turtle. C'est une tortue. If every woman will take this God 1,000 years to smooth her skin. Si chacune de ces femmes va prendre à Dieu 1000 ans pour que Dieu puisse préparer sa peau, la texture de sa peau. I wonder if she made it from the skin of alligator. Je me demande si elle était faite de la peau d'alligator, de crocodile.
What kind of a skin this skin is? Ça, c'est quel genre de peau? Doesn't make sense. Ça n'a pas de sens. 1,000 a year. 1000 ans. I mean, come on. Oh, attends. Just go and buy a few grams of Nivea and that is going to work. Tu peux même aller acheter quelques bouteilles de Nivea et ça va marcher. Hello? Hein? A plastic surgery will take 5 minutes. Même peut-être la chirurgie plastique prendra 5 minutes. 1,000 years for Allah to make her skin smooth. Hein? 1000 ans pour que Dieu, Allah, puisse rendre la peau de ces femmes-là du paradis de Houri. 1000 ans pour préparer leur peau. Why? Pourquoi? And what does that mean? Allah, he created her from concrete and then he made a mistake. You want to fix it? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Ou bien Allah l'avait créée avec du béton et maintenant il y a eu une erreur. Allah doit fixer ça. So, if you take the statement Muhammad he say, you will find that it's a chain of madness and stupidity. Si vous prenez les mots que Muhammad avait prononcé lui-même, comment est-ce qu'il avait expliqué dans les hadiths? Vous allez voir que c'est une chaîne de narrations de stupidité, de folie. And nothing there makes sense. So if you take the statement Muhammad he say, you will find that it's a chain of madness and stupidity. And nothing there makes sense. Et rien n'a de sens dans toutes les paroles de Muhammad. This is cannot be a prophet of God. Ça, ça ne peut pas être un prophète de Dieu. Speaking, this is a guy. He is, is making stupid statements all over. Ça, c'est un homme qui fait des déclarations stupides partout. God don't speak in such a stupid way. Dieu ne parle jamais d'une manière si stupide. God is wise. Dieu est sage. If man can be wise, how... Si les hommes peuvent être sages, qu'en est-il de Dieu? If man can be wise, how about God? Si les hommes peuvent être sages, qu'en est-il de Dieu? He is wise than anyone. Il est plus sage que n'importe qui. He is the wiser. He is the source of everything. C'est le plus sage, c'est la source de toutes choses. So it doesn't make sense. Ça n'a pas de sens. God, he promised me that I am going to have. Dieu me promet que j'aurai. You know. A woman. Une femme. And this woman, she is going to sing for me. Et que cette femme va chanter pour moi. So what does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire? And this woman, she is going to curse my wife in earth. Et que cette femme va maudire ma femme sur la terre. Like what? What? Quoi? She will curse my wife in earth because she is not being nice to me. Ces femmes du paradis, cette femme va maudire ma femme de la terre puisque ma femme de la terre n'était pas bonne envers moi. I mean, is that serious? Est-ce que ça c'est sérieux? Or this is a joke? Ou c'est une comédie, ça? I like those pictures. J'aime ces photos ici. You know, I find them fantastic. Je les trouve fantastiques. My friend. Mon ami. God is not a pimp. Dieu n'est pas un proxénète. Quelqu'un qui cherche des prostituées pour les gens. And he don't say stupid things. Like women, she have a sperm. Et Dieu ne dit jamais des choses stupide, comme les femmes ont le sperme. And he don't say stupid things like women. She have a sperm, and her sperm is coming from her ribs. Yeah, les femmes ont des spermes, et le sperme de la femme vient des côtes. And the only reason until now I'm not married, because I am afraid that I will get a wife, and then a sperm she will come from her ribs. Et la seule raison pour laquelle je ne suis pas marié jusqu'à présent, c'est que peut-être je crains que je puisse avoir ma femme et le sperme qui vient de ses côtes, ironiquement.
I mean, I will jump from my bed and I will commit suicide. I will jump from the balcony. Je sautais de mon lit et je allais me tuer. Je sautais hors du balcon. This is going to be God. Ça ne peut pas être Dieu. A God who says that the man have a sperm and his sperm coming from the backbone. What the? Un Dieu qui dit que l'homme a le sperme et le sperme vient de la colonne vertébrale. Backbone have to do with sperm. Qu'est-ce que la colonne vertébrale a à faire avec le sperme? Bone. What the backbone have to do with sperm? How are you, my friend? Comment tu vas, mon ami? I just want to say. Yeah. J'aimerais juste dire. I'm going to look into it more. Je vais aller faire beaucoup de recherches. All right. Oui. So let me before you go. Look, just a simple question. Avant de partir, juste une simple question. What do you think about God? Will make us very powerful in the bedroom in the heaven. What do you think about that? Qu'est-ce que tu penses? Dieu va nous rendre qu'on sera très puissant sexuellement lorsque nous serons au ciel. What? Allah, quoi? He will make quoi? Us very horny in the heaven. Allah va nous faire que nous aurons beaucoup de puissance dans le sexe lorsque nous serons au ciel. Nous serons très puissants sur le lit. And the man, he will have a power of 40 men in heaven. Et chaque homme aura la puissance sexuelle de 40 hommes. Oh, sorry, 100 men. Pardon. Chaque homme aura la puissance sexuelle de 100 hommes. What do you think about that? I mean, why? Yeah, qu'est-ce que tu penses? Pourquoi? Allah will increase my sexual desire to be like 100 horses. Comment est-ce que Allah va augmenter ma puissance sexuelle pour que ça soit comme 100 chevaux? Or donkey. Ou bien 100 ânes? Ou bien 100 mulets? I don't know. Je ne sais pas. Okay, do you like to have sex with 100 women in a day? Est-ce que tu aimerais avoir sexe avec 100 femmes par jour? No. What about 99? Comment? Pourquoi pas 99? No. 70? Non. 7? No. 77? 77? No. Non. So are you saying that your God Allah has given you promises you don't like? Donc tu veux dire que Allah te donne des promesses que tu n'aimes pas? I don't know, I'm just going to check, you know. Non, je ne sais pas, je vais juste aller faire des recherches. All right, but I'm asking you, why, if you don't like to have those women, why Allah? Alors, je te pose la question, si toi tu n'aimes pas voir toutes ces femmes ici, pourquoi Allah? Allah is making no choice, but he will give it to you, because this is a promise. Pourquoi est-ce que Allah lui ne fait pas des choix? Et il te donne ces femmes ici, et ça c'est lui qui t'a promis ça. If you don't like it, if you don't like this heaven, obviously. Si tu n'aimes pas ce ciel, in the heaven, as long as you don't like sex, those women they are going to rape you. Donc ça veut dire que comme toi tu n'aimes pas le sexe, donc ces femmes ici vont te violer. According to the Muslim stories, when you enter the heaven, you enter your bedroom. Donc d'après ce que disent les livres de l'islam, les tafsirs, lorsque vous entrerez au ciel, the women they will jump on you. Les femmes vont sauter sur toi. One of them she will put her mouth in, you know, and the other one she will put her mouth in, you know. L'une d'elles va mettre sa bouche sur, et l'autre va mettre aussi sa bouche sur. And the other mouth she will put her tongue on. Et l'autre va mettre sa langue là. You know, and you know, like you will be raped. Tu sais, et tu seras violé au ciel. So why you want to go there? Qu'est-ce que tu veux aller faire là? Do you like to be honest with me? Do you like to be raped by women? Assois, honnête. Tu veux être violé par les femmes? No. Non. So what kind of heaven is heaven? This is not heaven no more. Ça c'est quel genre de ciel? Ça ce n'est plus le ciel. Heaven is a place you enjoy. Le ciel c'est un endroit où tu es content, tu es heureux. Definition of heaven. Well, heaven is a place. What's the definition of heaven?
Well, heaven is a place. What's the definition of heaven? Heaven is a place you enjoy. What's the definition of heaven? Well, et chez vous, c'est quel genre de ciel? Heaven is a place where you enjoy happiness. Le ciel, c'est un endroit où tu jouis du bonheur. Not sex. Pas le sexe. What brings you happiness? Qu'est-ce que vous ferez? You know, the one, the Almighty who made me, he can provide me happiness, as Jesus, he said, he and celui, le Créateur qui m'a fait, le Tout-Puissant, il va me donner le bonheur comme Jésus-Christ avait dit. She, they will not be getting married. They will be the same as angels. What does that mean? Jésus a dit que là au ciel, les hommes ne vont pas se marier, ils seront comme des anges. Qu'est-ce que ça veut dire? It means he will free me from my needs. Donc il va me libérer de mes besoins. Number one reason for a human being is not happy, that he is needy. La première raison qui fait qu'un homme, un être humain ne soit pas heureux, c'est qu'il a des besoins. He need to eat, he need to sleep, he get tired, he get sick. Il a besoin de manger, il a besoin de reposer, de dormir. Des fois, il tombe malade. So the needs of being healthy, the needs of staying young, the needs of les besoins d'être jeune, les besoins d'être en bonne santé, tout ça. Staying, need money, the need of to pay for your bills. Le besoin de payer ses factures, de trouver de l'argent. Those are needs and they are not making you happy. Et tous ces besoins-là ne rendent personne heureux. So all those needs make you a slave of needs. Et tous ces besoins te rendent esclave du besoin. So what God will do, he will free you from your needs. Donc ce que Dieu fera, donc il va nous libérer de nos besoins. So in heaven, if in heaven, donc dans le ciel, you will be living the same as angels. You will not be an angel. You will be. Nous vivrons comme des anges. Nous ne serons pas des anges, mais nous serons comme des anges. The same as angels, which means you are free from all your needs. You are above the needs. Donc nous serons libres de tous nos besoins, affranchis. You are free. So you will be called. Nous serons libres. The child of God, who is free from any kind of slavery. You will. Une minute. Je m'excuse, il y a un appel là qui venait. Not be sex addicted. You will not need. You are free. So you will be called the child of God. Nous serons appelés des fils de Dieu. Who is free from any kind of slavery. Nous serons libres de tout genre d'esclavage. You will not be sex addicted. Nous ne serons pas addictés sexuellement. You will not be food addicted. Nous n'aurons pas l'addiction de la nourriture. You will not be sleep addicted. Nous n'aurons pas l'addiction de coucher. You will not be sick. You will not be hungry. Nous ne serons pas malades. Nous n'aurons pas faim. You will not need money. Nous n'aurons pas besoin d'argent. And nobody can abuse you. And nobody can use you. Et personne ne peut abuser de nous. Personne ne peut nous user, nous utiliser. And nobody, because money and those things is the source of evil. Puisque l'argent et toutes ces histoires-là sont la source de tout le mal. So God will free you from your needs. Donc Dieu va nous libérer de nos besoins. And then you will know what happiness means. Alors tu sauras ce que veut dire le bonheur. For you will live with God. Puisque tu vis avec Dieu. And you are free. Et tu es libre. And you live for eternity. Et tu vis pour l'éternité. According to Muhammad, he will make you a slave. Mais selon Muhammad, il fera de vous des esclaves. He will make you slave of sex. Il fera de vous esclaves du sexe. Again. Encore. And now, not only again, he will make you more slave, addicted to sex, to the point. Pas encore. Mais il vous fera encore plus addicté au sexe. Point all day long, you are doing nothing. Que toute la journée, tu ne feras rien. Except having sex. Even Muhammad, he said. Tu feras que avoir du sexe toute la journée. Même Muhammad a dit. That a Muslim man will have orgasm for 70 years. Muhammad a dit, un musulman aura un orgasme qui fera 70 ans. 70 years orgasm. Orgasme de 70 ans. You know, I like to have orgasm for like 69 years, but. J'aimerais avoir un orgasme de 69 ans. 70, I think this is too much. 70 ans, je pense ça c'est trop, hein. Honestly. Oh, do you think it's good to have orgasm for 70 years? Penses-tu que c'est bon d'avoir un orgasme qui dure 70 ans? Kashim? Monsieur Kashim? No.
Non. Why no? Why no? You don't talk 70. What about 50 years? Pourquoi? Donc tu n'as pas ça, pourquoi pas un regard fait de 50 ans? Like imagine your grandma, she come to visit you at home, Regarde, c'est comme ta grand-mère qui vient te visiter à la maison. and you knock at the door and she hear you behind the door having orgasm. She can. Elle frappe la porte, elle te sent, tu as derrière la porte, tu as un orgasme. Next year, Elle vient l'année prochaine. she come again. She hear you still having orgasm. She can. Elle te trouve encore un And orgasme. the third year, La fifth troisième year, année. 7 years, 10 years, 20 years, 30 years, 50 years. Elle vient toutes les années, 20 ans, 30 ans, 50 ans. You know, 60 years, 63 years, 67 years, and 60 ans, 63 ans, 67 ans. still you are having orgasm. Et tu as toujours un orgasme. And then after 7 years, you open the door for your grandmother and you say to her, sorry. Et après 7 ans, tu ouvres maintenant la porte, tu dis à ta grand-mère, oh, pardon. I was having orgasm. J'avais un orgasme. What do you think? Qu'est-ce que tu dis? Think about it, think about it. Pensez à ça, pensez à cela. Anyway, thank you, my friend, for calling. I advise you to let your sheikh to call me. Merci beaucoup, mon ami, pour m'avoir appelé. Je te conseille d'appeler ton cheikh, ton imam, pour m'appeler. We will be here again today is Wednesday. We will be Nous serons encore ici aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mercredi. here again at Friday Nous serons encore ici le vendredi. at 4:30 p.m. À 4h30, les après-midi. So feel free to call us. All Ah, right? Okay. tu es libre pour me rappeler? PM. So feel free to call us. All right? OK. Okay. Thank you for calling. Thank you. All right, guys. Merci pour m'avoir appelé. OK, merci les gars. Là, c'était Christian Prince. On a terminé la vidéo. Les gens qui veulent nous contacter ou bien contacter Christian Prince, le numéro est là. Ou bien vous partez dans sa boîte, vous l'appelez pour organiser des débats. Shalom et que Dieu vous bénisse.